Présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet est dans les locaux de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly au programme Rencontre avec les auditeurs et entretien autour de son parcours. Nous nous engageons en politique parce que nous poursuivons un objectif qui est bien plus grand que nous, qui est un objectif que nous partageons tous, quelles que soient nos opinions politiques, nous poursuivons un objectif d'intérêt général. Et cet engagement politique à la poursuite d'un intérêt général est une action qui ne se déroule pas pour soi-même, mais pour autrui. Abordant les questions en rapport avec les activités parlementaires et le genre, Yael Braun-Pivet exhorte la junte féminine à faire preuve d'audace. Notre assemblée est capable de se rassembler. Mais effectivement, il arrive qu'il y ait besoin d'utiliser un outil constitutionnel pour pouvoir passer une réforme qui est une réforme dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est compliquée. Pour faire avancer la parité, il faut une volonté des partis politiques. Mais ça ne suffit pas. Il faut des femmes candidates. Il faut des femmes qui se lèvent et qui disent « Je me sens concernée, je veux m'engager et je me présente à une élection ». Initiateur de cette plateforme d'échange, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique PCA de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. L'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly a voulu profiter de la présence de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de France pour organiser un panel de discussion sur son parcours inspirant, sur le travail parlementaire, sur l'engagement donc, des femmes en politique. Et c'est toujours dans la continuité donc, du renforcement des capacités de nos auditeurs. C'est sur invitation d'Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, que Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, est à Abidjan.